j'interviens sur la semaine de la créativité là avec ces étudiants parce que j'ai monté une boîte qui s'appelle Snapology. J'accompagne les marques sur Snapchat, donc je suis spécialisée entièrement sur Snapchat. Et puis on m'a demandé de participer là à cette semaine de la créativité pour demander aux élèves de travailler sur ce nouveau réseau social. Alors je dis nouveau, il n'est pas si nouveau que ça, mais c'est un réseau qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser en tant que marketeur. Et pour ces premières années, c'est hyper important de pouvoir déjà se placer dans les chaussures du marketeur qu'ils seront dans quelques années. Ce qu'on a demandé là, c'est d'utiliser une fonctionnalité hyper précise de Snapchat qui est la réalité augmentée, qui n'est pas spécifique à Snapchat, mais c'est Snapchat qui l'a démocratisée avec ces petites lenses que tout le monde connaît, qui rajoutent des petites oreilles sur la tête. Et l'idée, c'est grâce au Lens Studio, qui est un logiciel qui a été créé par Snapchat, qui est entièrement gratuit et très facile à prendre en main, c'est de dire aux étudiants, bah voilà, en une journée, vous allez démarrer sur un logiciel que vous ne connaissez pas du tout, et à la fin de la journée, vous aurez réussi à créer une lens en réalité augmentée en travaillant sur une problématique spécifique avec un brief, comme s'ils étaient déjà dans le monde du travail. C'est important que les écoles comprennent l'enjeu qu'il y a derrière et commencent à s'intéresser à Snapchat. C'est un réseau social qui n'est pas suffisamment connu ou qui est mal connu de la part du grand public. Et on a plein de préjugés qui sont sur Snapchat. Or, quand on est marketeur, c'est hyper important de s'intéresser à Snapchat dès maintenant. C'est un réseau social qui est plus utilisé en France qu'Instagram. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Et rien que pour cette raison, c'est hyper important de la part d'une école que leurs étudiants, quand ils sortent sur le marché du travail, ils soient capables de dire bah, « Nous, on connaît Snapchat, on peut l'utiliser parce que c'est quelque chose qui va devenir totalement indispensable très rapidement. »